Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes à Huy, on va pêcher la Meuse. Huy est une ville belge surplombée d'un fort où se trouve en dessous à son pied une super belle collégiale. Je vous invite à aller la visiter, mais nous ne sommes pas là pour faire une vidéo touristique de la ville. Nous sommes là pour la même chose que d'habitude. En effet, on est là pour la pêche aujourd'hui, longue dérive en flotte tube sur la Meuse de 12 km. Nous allons nous concentrer sur la perche et le cendre. Il a assez plu ces derniers jours, les eaux sont un petit peu piquées. Ça devrait être pas trop mal pour le cendre, j'espère pouvoir en toucher un ou deux, ce serait super. J'espère vraiment qu'une dérive de 12 km n'est pas trop longue. On va se concentrer principalement sur tout ce qui est pilasse de pont, structure immergée si on en trouve, les sorties d'eau, tels que la Meuhaigne, le Hoyou. Il y a encore un troisième ruisseau qui se jette dans la Meuse, je ne connais pas le nom. Il y a aussi tout ce qui est sorti d'égout, grand mur, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Enfin bref, on va se concentrer sur tous les spots marqués qu'on trouve sur le trajet. Souhaitez-nous bonne chance. Mais avant tout, je tenais à vous remercier de tout le soutien que vous me donnez. Vraiment, c'est super sympa. Que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, vous êtes plusieurs à me suivre depuis quelques temps. Franchement, ça va droit au cœur, ça me motive pour améliorer encore les vidéos. Et si toi, tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire directement, sinon tu vas encore finir capot. Bon, allez, go, on part sur l'eau, les gars. Faire Fish. Premier fish de la journée. Perche. Petite perche. Elle est belle, hein? Première perche de la journée. C'est pas gros. 25. Oh non, ça va. Poisson. Oh, beau. C'est beau en plus. C'est quoi? Bon, ça a l'air d'être correct. Une belle perche. Attends, je vais venir en marche arrière. Et la petite perche de Jonas, pas capot. Pas capot. Voilà. Oh shit. Bon les gars, je suis remonté, je vais faire une deuxième dérive. Maintenant que j'ai trouvé que le leurre, on s'en fout, le gros ver canadien, ça tape. Je pensais que c'était des grosses brèmes ou quoi. Je pensais que c'était des grosses brèmes. C'est pour ça que j'ai mis un gros ver de terre et c'est encore un cendre, à chaque fois c'est le même coup. Je suis le pêcheur de cendre au vert. Worms underfishing. Fish. Mon école va.
Beau cendre. Magnifique cendre, ça. Final pièce. Je l'aurai tout seul, tracasse. Je crois, ouais. Attends. Fais comme ça. Je sens la couille arriver. Putain, il est énorme. Il est énorme, gros. Il est big. Il est big. Oui, putain. Putain, t'as vu le big, mon gars. Il m'a mis une de ses boîtes. Oh, il est big, lui. Lui, il est big. Avec les petites perches à côté dans l'épuisette. Lui, il est big. Oh, oui. Oh, oui. Ah, nickel. Nouveau fish, 70, 75, ça repart. A few moments later. Fish, fish. Yes. Je le savais un peu. Cinquième passage. Houleur, rien à tirer. Oh. Il a fallu passer avec un gros verre de terre canadien comme à chaque fois. C'est un truc de malade. Ah ouais. Je le savais. Hop. Oh, c'est un beau en plus. Un beau petit centre de 60 après plusieurs passages. Ça paye. Ah, merci. Lombric vers canadien. Oh, elle était belle en plus. Putain, il y en a 800. Elles sont déjà sur mon leurre. Il y en a 8000, elles sont déjà sur mon leurre. Fiche, il y en a 8000. Oh putain, elle était encore belle. Gros, il y en a 8000. Attends, moi, je viens. Je saurais pas les faire, moi. J'ai plus de fil sur moi. Fiche, non. Gros, Yanni. Ah, j'ai pas ta chaîne, attends. Il faut que je repasse mon autre ligne, moi. Tu veux faire quoi? Te mettre où? J'ai plus pas de ligne. Il faut que je m'accroche à l'échelle. Fiche. Encore une petite perche au jig. Rebla le bord de perche. Fiche. Non, décro. Ça a l'air d'être une belle en plus.
Je suis en plein dans le bord de perche. Oh oui. Belle perche. Fichon. Encore une belle perche. Finesse, il y a un paquet de perches ici. Un truc de fou. C'est rare quand je tombe sur un bon pareil. Hein. Je pense qu'il y a une voiture ici, les gars. Il y a une voiture. C'est un truc de fou. Il y a une bagnole entière ici. Fiche. Belle perche. Belle perche. Encore une belle perche. Allez, prends-le. Oh, c'est un bel écho, ça. Allez. Oh oui, c'est un beau poisson. Ouais, 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 c'est un super beau poisson. Entre deux eaux. Il est là, l'écho. Oh putain, juste quand il y a le bateau qui passe, je peux rien faire. Rien faire de propre. Allez, prends. C'est pas possible. Voilà les amis, après 10 heures de pêche, je vous ai passé quelques morceaux, c'était beaucoup trop long. Le vent s'est levé sur la fin, Jonah est tombé en panne de moteur. On a un peu galéré pour le retour, on a eu un peu plus d'une heure de retard sur le planning pour le retour. C'était assez compliqué de vous faire les belles images. Encore quelques petits problèmes de son que je réglerai pour les prochaines sorties. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Ça évolue dans le bon sens. Je vais continuer sur cette lancée. Je compte sur vous pour lâcher un petit commentaire, vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine au bord de l'eau. Ciao !